Et yo tout le monde, c'est que Défense aujourd'hui pour notre vidéo du 1er avril. Et non, je ne dirais pas que le projet s'arrête. Nous ne sommes pas là pour faire des blagues, mais pour parler de l'avancement du serveur. Alors ce mois-ci, l'avancement du serveur était un peu réduit par rapport aux autres fois. On va essayer de se remotiver, je vous avoue que j'ai perdu la motivation. Et en plus, on a un problème dans le TP, qui va plus être la bonne commande, bien évidemment. C'est plus @sp, c'est quoi? C'est quoi? Bon. Et bah faisons comme ça. Alors, 3, 4, 5, 1, 1, 4, 0. 3, 4, 5. Déjà, il y a un problème. 3, 4, 5. 3, 4, 5, c'est plus comme ça, à mon avis. 3, 4, 5. 1, 1, 4, 0. Slash TP. Moi. Hop, et vous l'aurez du coup sûrement compris. Mais on n'est pas au bon endroit. Oh, c'est drôle. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Oh, bon, mais non, ça c'est pas ici, c'est juste. Voilà. 3, 4, 5, 0. 1, 1, 4, 0. 3, 4, 5, 0. 1, 1, 4, 0. À moins que le 1, 1, 4, 0. Bah. Bah. Et Pluck, parce que Pluck a aussi avancé. Ok, donc les commandes ont été changées. Vous l'aurez compris, nous sommes passés en 1.13. Du coup, si je fais slash tp, c'est quoi les valeurs maintenant? Ils ont modifié ça? Arrobase quoi? Il y a plus de arrobase p? Ou ces trucs-là? Arrobase a, si je mets arrobase a, ça marche ou pas? Non plus, c'est fou ça. Si je mets arrobase godef. Ça ne pouvait que me TP là, en effet. Par contre, du coup, Valtordu est perdu. Oui, très bien. Non, non, je sais où est Valtordu, ne vous inquiétez pas. Alors, à Pluck, du coup, qu'on en parle rapidement. Oui, du coup, officiellement, nous sommes passés en 1.13 pour build dans le serveur. Ça avance vraiment petit à petit. Déjà, la tour l'a bien changé, elle est bien jolie et tout. Le gros changement du mois, malheureusement. Entre guillemets, c'est que c'est l'1.13. Moi, j'avais clairement pas la motivation pour continuer à build. Oh, c'est beau. À build le donjon, mais je vais essayer de me motiver pour ce mois-ci, puisqu'en plus j'aurai des vacances entre deux et tout. Donc, ça sera cool, je pourrai avancer. Mais MX avance doucement au niveau de Pluck. Vous voyez que là, une petite cabane d'épaisseur. D'épaisseur. Ah oui, j'ai toujours un problème avec cette canne à pêche. Il faut que je la remette aussi. Voilà, Pluck avance vraiment petit à petit. Doucement, mais sûrement. Voilà. Le terraforming avance, mais ça, je vais pas vous le montrer parce que c'est enfin, c'est la même chose à chaque fois. Il va falloir que je revoie en plus ces machins là. Ah bah, mais qu'est-ce que j'avais marqué alors? Ah, j'avais oublié les moins. Donc pour ça. Hop, donc Val Tordu, pour le coup, donc c'est une chose que je sais plus ce que j'avais déjà montré. Parce que toute cette partie-là, je vous l'avais montré qu'elle était finie, mais je vous la remonte au cas où. Hop, voilà. Et du coup, cette partie-là est actuellement en construction. Voilà. Et le château a pas bougé spécialement depuis. Mais les choses bougent quand même. Vous voyez que là, hop, on a un nouveau tracé du chemin qui apparemment était mal fait avant. Ce que je crois tout à fait. Hop, donc nouveau tracé du chemin qui sera ici. Donc. Et du coup, c'est trop bien. En fait, on est passé en 1.13 parce que du coup, ça permet d'avoir plus de blocs. Par contre, ce genre de blocs. Que, on va pas se mentir, quand même vachement stylé. Genre là, il passe grave bien en fait. Je prends celui-là, c'est pas le plus stylé des bois d'ailleurs, mais vous avez compris. Donc plein de petits blocs en plus en soi. Ce genre de truc, bon, ça n'a pas trop besoin pour l'instant, mais on sait jamais. Oui, tout à fait. Après, ça peut faire de la déco, ça. Hein. Par contre, ça n'a pas de sens de pose, c'est dommage. Ça peut faire de la déco. Il passe bien que le chromite, je trouve, il est pas moche. On tirait un maquis géant là avec des algues. Oh, je suis jaloux. Elles sont moins belles en. En 1.12. Et non, mais surtout aussi le gros avantage, il faut que d'ailleurs on recreuse ça, il faut que je m'en occupe.
Mais pour ceux qui ne savent pas, nous avons des égouts sous Val Tordu qui sont actuellement bouchés par de la terre. Alors, où est-ce qu'elle était mon entrée? Il a vraiment bouché mon entrée aussi. Aïe. Bon, les égouts sont actuellement bouchés par de la terre. Voilà, parce qu'au moment où on a copié Val Tordu pour le changer de sens, hop, vous devez pas voir grand-chose. Je vais prendre une autre vision. Je vais appeler Give l'effet. Voilà. Hop, les égouts sont actuellement bouchés par de la terre. Ok. C'est fâcheux. Voilà. Ça m'embête bien, disons. Bon, en vrai, allez, en quart d'heure, je débouche tout ça avec World Edit, etc. Je vais faire les choses proprement. Mais l'avantage, c'est que, étant passé en 1.13, j'ai vraiment débouché au moins le bout là pour vous montrer. On va pouvoir les rendre un peu plus beaux, ces petits égouts. Puisque vous le savez déjà, hein, mais voilà, si on place des escaliers, on peut faire déjà des tout petits conduits. Ça c'est cool, en plus c'est conduit entre deux, donc il y a vraiment moyen de faire des trucs stylés. On peut placer ça, on peut placer des slabs aussi. Donc pareil, ça c'est cool, comme ça on peut faire des niveaux un peu plus. Donc voilà, donc c'est grave cool ça à ce niveau-là, ou même des escaliers pour pouvoir remonter, il suffit ensuite de rajouter une source d'eau. Comme ça, donc hop, déjà on pourra améliorer les égouts. Bon, c'est pas la chose la plus visible, mais je pensais surtout à Pluck, ça va aider pour Pluck également, bien évidemment. Donc voilà. Bah écoutez, du coup, j'ai parlé pendant 6 minutes et on a galéré à se TP. Tout ça pour vous dire qu'en fait le serveur est passé en 1.13 et qu'il a un peu avancé au ralenti ce mois-ci, mais on va essayer de se remotiver là. Enfin, moi je vais essayer de me remotiver pour avancer ce truc pour pouvoir vous présenter le 1er mai, du coup, un peu de tout ça. Et puis voilà, du coup, bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Si elle vous a plu, comme d'habitude, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à la partager, surtout celle-ci, là, celle du mois à chaque fois, qui permettent donc de faire connaître le projet, donc c'est très important. Partagez-la. Likez là, commentez là pour me donner vos avis et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!